Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné, Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e JT Cinéma de la chaîne. Ce JT du mois de novembre 2019 va donc s'articuler en 3 parties. Les principaux films à découvrir en salle, les films à voir en VOD et l'actualité du cinéma en bref. Et maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec les principales sorties en salle du mois de novembre 2019. Le 6 novembre, vous pourrez découvrir en salle Midway de Roland Emmerich avec Ed Skrein, Patrick Wilson et Woody Harrelson au casting. Le même jour sortira également en salle La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedos en tant que réalisateur. On y retrouve au générique Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant. Le 13 novembre sortira en salle le très attendu J'accuse de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuel Seignier et Grégory Gadebois. Le Mans 66 réalisé par James Mangold avec Matt Damon et Christian Bale sera également à découvrir en salle en ce deuxième mercredi du mois. Le 20 novembre, le public pourra découvrir en salle Les Misérables de Latchley, prix du jury lors du dernier festival de Cannes. C'est également ce jour-là que sortira Les Éblouis de Sarah Succo avec Camille Cotin, Jean-Pierre Darroussin et Eric Caravaca. Le 27 novembre, le très attendu Gloria Mundi de Robert Guédiguian sortira en salle. Ariane Ascaride, qui y tient l'un des rôles principaux, a obtenu le prix de la meilleure actrice lors du dernier festival de Venise. Ce jour-là, le public pourra également découvrir à l'affiche la comédie policière à couteau tiré, réalisé par Ryan Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans et Jamie Lee Curtis. Sans oublier le film Proxima, réalisé par Alice Winocourt avec Eva Green et Matt Dillon. Alors, on regarde quoi sur les plateformes de VOD ce mois-ci? Commençons tout d'abord par Netflix qui proposera dès le 27 novembre le film événement de cette fin d'année attendu par un nombre incalculable de personnes. Il s'agit de The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese, qui réunit au casting Robert De Niro et Al Pacino. Mais ce n'est pas tout, car depuis le 1er novembre, vous pouvez également découvrir The King, réalisé par David Michaud, avec Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson et Lily Rose Depp, une autre création originale. Et, histoire de se préparer aux fêtes de fin d'année qui approchent, Netflix vous propose de découvrir son tout premier film d'animation, Klaus, qui sera disponible à partir du 15 novembre. De quoi faire patienter les plus petits jusqu'à l'arrivée du Père Noël le 24 décembre. Du côté de Canal+, Coco, le film d'animation Disney pour toute la famille, est disponible depuis le 1er novembre. Le film Les Chatouilles, réalisé par Andrea Bescon et Eric Métayer, récompensé lors de la dernière cérémonie des Césars, est quant à lui disponible depuis aujourd'hui, mercredi 6 novembre. Et pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu en salle, la chaîne cryptée proposera à partir du 15 novembre l'adaptation de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud. Sur OCS, à partir du 13 novembre, ne manquez pas, Grâce à Dieu, le film choc inspiré par le scandale de la pédophilie dans l'église, réalisé par François Ozon. Deux autres films français, La promesse de l'aube avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg, ainsi que La douleur avec Mélanie Thierry et Benoît Magimel, seront respectivement disponibles les 20 et 27 novembre. Passons maintenant à l'actualité du cinéma en bref. La nouvelle est tombée il y a quelques jours, c'est Guillaume Canet qui a été choisi pour réaliser le prochain film Astérix, intitulé Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Il endossera également le rôle du petit Gaulois moustachu et c'est Gilles Lelouch qui a été choisi pour le rôle d'Obélix. Tiré de l'œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo, le scénario original est signé Philippe Mechelan et Julien Hervé, les deux co-scénaristes des Tuches. Spider-Man New Generation, récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation, bénéficiera d'une suite. Sa sortie en salle est déjà programmée pour le 8 avril 2022 aux États-Unis. Alors que la série Kaamelott a pris fin il y a 10 ans, le long métrage qui devait en découler est enfin en bonne voie puisque la sortie en salle est annoncée pour le 14 octobre 2020. Alexandre Astier, qui a débuté le tournage en janvier dans la plus grande discrétion,
semble avoir en réalité pour projet d'en réaliser 3, puisqu'il a utilisé sur les réseaux sociaux le hashtag Kaamelott premier volet pour évoquer le tournage du film. Guy Ritchie, le réalisateur de Snatch, s'apprête à diriger l'adaptation américaine du film français Le Convoyeur, réalisé à l'origine par Nicolas Boukreyev. Ce sera Jason Statham qui endossera le rôle principal tenu par Albert Dupontel dans la version originale. Et voilà, c'en est fini de ce 4e numéro du JT Cinéma. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 4 décembre pour le 5e numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série Culture.